Good morning, allez, Yiden le tu seras aujourd'hui, le Lonishmat Avram, Norbert Ben Fortuna Fritna, Shmuel, Moriv Rabbi Shmuel Ben Shlomo Zalman, ainsi que l'Irfuat. Chaya Rivka, Batlea, Sarah Bat Nechama, Hananaya, Bat Gitel de Vraptor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Psachim, Perekei Mishnah Zain. Yatzta Kat Rishona, Benichnesa Kat Shnia. Yatzta Shnia. נכנסה שלישית. כמעשה הראשונה, כך מעשה השנייה והשלישית. קראו את ההלל, אם גמרו, שנו, ואם שנו, שלשו. אף על פי שלא שלשו מימיהם. רבי יהודה אומר, מימיהם של כת שלישית לא יגיע לאהבתי כי ישמע השם, מפני שהמה מועטין. On continue depuis la Mishnah à détailler le rituel du Korban Pessah, concrètement, comment est-ce qu'on l'apportait au Beth Amikdash. On a expliqué qu'il y avait des milliers de corbanotes qui arrivaient, de gens qui arrivaient, la Torah a insisté qu'on le fasse en trois groupes. Il fallait kol kehal adat Israël. On apprend qu'il fallait, on fait entrer un premier groupe de personnes, on ferme les portes, après ils ressortent, on offre une deuxième fois, après on offre une troisième fois. On avait déjà commencé à expliquer dans les mishnah, précédentes, comment concrètement les Kohanim pouvaient faire tellement de corbanotes, quantité astronomique de korbanot. Donc en fait, il y avait le propriétaire qui faisait la shrita tout de suite, le kohen qui récupérait et qui faisait passer le verre, aller et retour, et c'était un travail à la chaîne. Maintenant, la Mishnah m'enseigne Yatzta Katrishona, une fois qu'on a fini maintenant, tout le monde a fini de faire le korban dans le premier groupe. La Mishnah m'enseigne Yatzta Katrishona, le premier groupe, le 4, c'est le groupe. Le premier groupe ressort. Et puis, venir Nessa, Kachnia. Et alors, on fait entrer le deuxième groupe. Et on fait le même rituel, comme la Mishnah le précisait. Veyatsta, Shnia. Après, on fait sortir le deuxième groupe. Venir Nessa, Shlishit. Et on fait entrer le troisième groupe. On a séparé le Hamisal en trois. Bien évidemment, comme la Mishnah va dire devant, on va découvrir dans les mots de la Mishnah qu'on expliquera un peu mieux. Kemaase, Arishona, Kachmaase, Shnia, Vashlishit. Le même procédé que tu faisais dans la Mishnah, dans la Katrishona. Dans le premier groupe qui était là, où tu faisais la shrita, et puis le kohen qui faisait passer les verres et qui récupérait, et puis après, voilà, comme les mishnahs vont le préciser ensuite, comment est-ce qu'on ouvrait le ventre pour faire sortir certaines graisses, et tout ça, tout le même procédé exactement que tu as fait pour le premier groupe, tu feras pour le deuxième et pour le troisième. Karu et ha'alel. Il fallait lire le halel en même temps. Les kohanim lisaient les vihim lisaient le halel. Ils étaient sur l'estrade, ils avaient des instruments de musique dans les mains. Et il chantait le Hallel. Il devait lire le Hallel pendant qu'on fait le Korban. Im Gamru Shanu. Si toutefois ils avaient fini le Hallel, ils sont arrivés jusqu'au bout du Hallel, et puis il y a encore beaucoup de Korbanot qui sont là, eh ben, on fait un deuxième tour de Hallel. Shanu, une deuxième fois. Im Veim Shanu, chez les Jouves. Si ils avaient fini la deuxième fois, et qu'ils sont arrivés que maintenant on n'avait toujours pas fini les Korbanot, eh bien, ils démarraient une troisième fois le Hallel. La Mishnah me précise, sache que de toute façon, ça n'est jamais arrivé qu'ils finissent, qu'ils aient eu besoin de faire une troisième fois le Hallel. En théorie, ils étaient travaillaient avec tellement de zèle et de feu que c'est jamais arrivé qu'ils aient besoin, que les Lévim aient besoin de lire une troisième fois le Hallel, étant donné qu'ils finissaient tout le groupe de Korbanot avec deux fois le Hallel uniquement. Rabbi Yehuda Omer, c'était pas le Hallel du Stibler, où ça prend deux minutes, c'était un Hallel un peu plus sérieux, ça chantait. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, « Mimem shel kat shlishit, lo higia le'ahavti ki ishma Hashem » Sache que depuis toujours, « Mimehem » depuis toujours, « shel kat shlishit » depuis toujours, pour la troisième groupe, les gens du troisième groupe, « lo higia le'ahavti ki ishma Hashem » il n'arrivait même pas à « ahavti ki ishma Hashem » le deuxième paragraphe du Tehilim, du Hallel, d'accord? Non, troisième. Ça, on commence avec Allelu, après Betset Israël, après il y a Ahavti Kishma Hashem. D'accord? Ou Lolanu, non, Ahavti le premier choix. Alors, en tout cas, ils n'arrivaient même pas à Ahavti Kishma Hashem que déjà on avait fini de faire tous les korbanot. C'est-à-dire, comme on a expliqué, et Mipene Shama Moatin, parce que le groupe de personnes qui étaient là était très méat, un peu restreint. Soit, en fait, l'Agma insiste même que les gens s'efforçaient d'être dans le premier groupe. Pas parce qu'ils étaient pressés, mais parce qu'ils voulaient témoigner leur zèle.
La Mishnah, la Gemara, elle, elle est un petit mot un peu méchant pour ceux du troisième groupe. C'est les gens un petit peu fatigués qui traînent, qu'on rencontre le matin à la synagogue à 11h, qui commencent à faire la tefila du matin. À dire Modéani. D'accord? C'est ces gens-là, quoi. Il y a le Corban, tout le monde se dépêche d'arriver dans le premier. Maintenant, bien évidemment, on va pas pouvoir faire entrer tout le monde. Si toutefois, c'est-à-dire il va falloir laisser 10 personnes dehors, ou 30 personnes dehors pour le troisième groupe plutôt. Donc en fait, ceux qui ne sont pas rentrés, les 60 derniers qui ne sont pas rentrés, on leur dit ça, ils vont rester dehors parce qu'il faut absolument séparer ça en trois groupes. Donc vous allez vous faire le deuxième groupe et vous faire le troisième groupe. D'accord? Et voilà pour la Mishnah essentiellement. J'ai un petit mot important à vous dire, quelque chose qui me tient à cœur en fait, que j'ose pas envoyer de mail parce que j'ai déjà fait appel au mail du 5 minutes par mail, quoi, pour les lecteurs de 5 minutes. Il y a en ce moment la campagne de la yeshiva de Beit HaLevi. Beit HaLevi, c'est la yeshiva de Rav Bloch, avec Rav Messika. Personnellement, j'ai fait mes débuts avec eux avant que ça existe, Beit HaLevi. Ils sont encore à Or HaIm. J'étais un peu le détonateur de Beit HaLevi en fait. Et malheureusement, avec le Covid, ça fait maintenant, ils ont pas voyagé. Ils faisaient tous les ans un gala à cette période de l'année. Ça leur permettrait de remplir un petit peu les caisses pour repartir pour un an. Et puis là, cette année, ben, ils n'ont pas pu faire de gala à Paris. Du coup, ils sont sortis en campagne avec Thierry Lee. Et ils m'ont demandé est-ce que je pouvais toucher un petit mot. Je me permets quand même de. Personnellement, je suis un peu gêné de faire appel, de solliciter les gens, mais dans le groupe des Mishnah, on est un peu comme une petite famille, c'est un petit groupe, c'est restreint, et puis, Bezrat Hashem, en espérant que vous ayez le moyen de répondre positivement, il y a donc, si ça vous intéresse, de faire un don, vraiment, c'est une yeshiva extraordinaire, c'est quelque chose de très spécial qu'on trouve presque pas pour le public français, une yeshiva vraiment de haut niveau, de haute qualité, vous verrez là-bas, rentrez sur le site de Cheridi, alors là il y a un problème dans le site de Cheridi, c'est que quand on fait la recherche de Beit HaLevi, ça monte pas, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous écrivez cheridi.com/ avec Beit HaLevi en un mot, Bethalevy, ben vous arrivez sur la page de Beit HaLevi et donnez ce que vous voulez. Si déjà passé par le Rav Messika, qui était un rave avec qui j'avais beaucoup de liens, il m'a énormément aidé. Je leur dois tout à ces rabbanim. Ces deux fous, je les appelle Rav Bloch et Rav Messika, tellement qu'ils se donnent à fond pour leur Talmidim. Vraiment, ils sacrifient toute leur vie vraiment pour aider. Si vous profitez aujourd'hui de mon cours, sachez que c'est eux les détonateurs. Il y en a eu d'autres en route, bon prochain, mais eux, c'était les gros qui m'ont vraiment épaulé pendant longtemps. Et voilà. Maintenant, donc je vous ai dit, vous cherchez le groupe de Rav Messika, si déjà, alors l'adresse, ça fait comme ça. Cheridi.com/CMP/Beit HaLevi/55 et vous arrivez sur la page directement de Rav Messika. Au pire, cherchez là, au pire, donnez tout simplement à Beit HaLevi. Le but, c'est pas de remplir forcément. L'objectif, c'est de remplir les caisses de Beit HaLevi plus. Voilà. Vraiment, et je vous remercie d'avance. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Kol tout. Salam.